Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine et Hugo. Et aujourd'hui, on va commencer avec un nouveau featuring de Freeze Corleone, cette fois-ci sur un morceau d'une légende du 93. Oui. Tout comme Freeze Corleone, hein, qui est du 93. Exactement. Qui est Mac Tire. Le morceau s'appelle Grammy. Freeze, Mac Tire, première connexion. Un porte-étendard du 9-3 à l'ancienne, un porte-étendard du 93 aujourd'hui. Aujourd'hui, donc j'avoue lourd. Il y a un clip, donc on va mater ça. Freeze, ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu en vrai. On l'a aussi beaucoup entendu. Oui, mais le dernier en date, je crois, c'est Daouzi, tu vois. Le morceau qu'on avait fait en plus sur la chaîne. Ok. Ah oui, c'est vrai. Donc ça date un petit peu, tu vois. Ouais, il nous avait habitué à nous sortir un feat toutes les toutes les 2-3 semaines, voilà, c'est ça. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il a proposé, même si je m'attends pas forcément à un gros changement par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais voilà, Freeze, Mac Tire, très chaud. Franchement, c'est issu de son album. C'est issu de son projet, Noir 3. C'est un feat caché. C'est un feat caché, exactement. Feat caché sorti en single. Donc il a sorti Noir 3, qui est une série de projets qu'il a commencé en 2020. Et d'ailleurs, j'avais cogné le premier, et il y a un morceau qui était très lourd, il s'appelait Hiver. Hiver, une dinguerie enchaînée avec le morceau avec Kalash Criminel, enfin... Tous les chemins mènent à Rome. Viens dans mon Benz, on va te niquer ta rhum. Dans le scénario, c'est moi quel mauvais rôle. On pense à nos morts dans bouteille de rhum. En plus, c'est des petits projets, tu vois, ils sont courts. Ouais. Ils sont 8 sons, le premier fait 8 sons, et franchement, ça s'écoute archi bien. Et ouais, Mac Tire, gros lyriciste, sous-côté pour moi, dans le paysage du rap français, il a toujours été un peu sous-côté. Mais je trouve que c'est important d'avoir encore des mecs, tu vois, qui écrivent, tu vois, avec une plume, qui rappent. Et surtout qu'il rappe très bien. Très grosse longévité, Mac Tire. On parle beaucoup des longévités de certains en France. Et Mac Tire, en vrai. C'est début d'année 2000, et on arrive à 2020, 21. Ça fait deux décennies. Hein. C'est quand même pas mal pour un rappeur français. Hein. Ouais. Après, il y a moins de projets évidemment, iconiques en fait. Non, bien sûr. Enfin, par rapport à certains. Oui, et puis par rapport aussi à l'époque Tandem, etc. Oui. Ok. Mais le niveau rap ouais. est tout le temps là. Ah, le niveau est là. Voilà. Mais ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Frérot. Mais ça c'est quand t'es un vrai, même si j'aime pas trop utiliser cette expression, mais quand t'es un vrai rappeur, bah tu sauras toujours rapper un minimum. Ah oui, c'est eh oui. Bon, c'est parti pour l'écoute de Mac Tire, Freeze Corleone, Grammy. C'est produit par qui? Flemme. Voilà. Allez, let's fucking go. Let's go. Yeah. Ah mais c'est le cœur de Freeze un peu. Ceux qui nous dirigent sont touchés, perdent des terres comme les prônes ou le CRC. Pas de sentiments qui rentrent comme neuer. T'as la haine, tu portes des œillères. Et tu ne vas rien à part l'oseille à se faire. Comme à l'époque des cassettes VHS, je me sens comme Irine dans les UHS. Un peu dur quand j'ai les mains tous à chaise. J'ai ce rap, ils volent en main, négue, dis-moi c'est combien le prix si j'ai les sous, j'achète. Que j'assassine des prods, je me sens comme Mike Myers. 9-3, tu peux toujours pas tête. On aime les Audemars et les pâtés. Je veux la version de cuisine avec les baguettes. La France en redemande tellement elle est n'info. On a vécu le drame. Vendu des millions de grammes, on a vécu le drame. Vendu des millions de grammes, DGS nous a cramé. On n'a jamais pris de cramé. Le parrain, le général, 9-3 de général. J'ai couru, ils ont pas la moyenne générale. Industrie, c'est... L'Afrique est juste à la traîne dans vos caméras. Malgré Boko Haram et printemps arabe. On monte l'empire comme à Ankara. Tous les jours, répétons ma Sankara. Est-ce le flemme? Négro la prod des nord comme Soul Campbell. Ma KB 3G comme Sambène. C'est toujours pour ceux qui savent comme tandem. Pas d'amour, mais je la baisse quand même. La grosse suette a mis une disquette. Vendu des millions de grammes. DGS nous a cramé. On n'a jamais pris de cramé. Pas d'amour, mais je la baisse quand même. La grosse suette a mis une disquette. Flemme, il a vraiment une palette de prod LNF type. Freeze-Rael type, tu vois. De ouf, avec les chœurs au début, même la construction. Bon, après, elle est un peu moins assourdissante, on va dire. Ouais. Mais en fait, le truc, ce qui est cool, c'est qu'en fait,
ils ont fait genre, tu sais, ils ont fait une potion et genre en fait ils dispatchent. Ah mais c'est pour ça que c'est vraiment une RLMF. Ouais c'est ça en fait. Pas que par rapport au fait que ça soit Freeze qui rappe, c'est tout, c'est une ambiance, c'est un type d'instru. Enfin, s'il n'y avait pas eu Freeze sur le morceau, ça aurait quand même été pour moi un morceau inspiré de l'RLMF. Ouais, ouais, bah tu oui. vois, parce que LMF, parce que c'est Freeze et Flemme en vrai, ah, tu ouais. vois. Enfin, après, il y a d'autres producteurs, etc. Mais bon, l'architecte principal qui ressort au niveau de l'image, c'est Flemme, tu vois. Et c'est moi, je kiffe, tu vois, quand on a pendant un an et demi, tu vois, genre une sorte d'album duquel va découler... Ouais, plein de nuances. Ouais. Mais avec le même style de prod. Mmh. Et ouais, c'est pour dire que tu vois, Flemme, c'est vraiment un mec, il a travaillé sur l'album comme jamais et pensé carrément à balancer d'autres prods qui auraient pu être sur l'album, mais qui va donner aux autres artistes. Je pense que c'est une prod qui a été faite à l'époque, ou c'est une prod qui a été faite genre plus récemment, maintenant, en se disant... Je mec, je pense que c'est même session studio, LMF, okay. ce qu'on écoute, tu vois. Ça s'entend en fait. Que ça a été fait à l'époque. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, tu ouais. vois, mais en vrai, les procédés musicaux, c'est les mêmes. Et ça m'étonnerait pas que, tu vois, ils avaient plein de palettes d'instru. Oui, bon, plein de quoi. Types. Genre ça, ouais, pour une instru, il y a peut-être pour plein de versions. Pour le même mood, ouais, tu ouais. vois, la même humeur. Et non, franchement, pour en revenir au son, je le trouve très réussi. Je trouve en fait qu'il y a un équilibre dans la drill et le kickage qu'apportent McTayer et Freeze avec leur passe-passe. Ça donne un morceau assez rythmé, assez effréné, mais ils sont archi calmes sur le morceau, tu vois. Ouais. Donc Freeze, il est vraiment en mode concentré et il n'y a aucune y a aucun dérapage en fait. Il n'y a aucune émotion. Tu sais, c'est un peu comme si c'était un robot qui rappait. Et moi je trouve ça lourd parce que la prod en fait elle est inquiétante derrière. Donc tu te dis pas ouais il n'y a pas d'interprétation, au contraire, ça fait morbide à mort. Ouais oui oui c'est logique avec c'est cohérent. McTayer, en fait moi j'ai trouvé Freeze beaucoup plus souple que McTayer. Hein. Et McTayer, attention frère. Bah, après c'est aussi parce que c'est... Mais je pense que c'est le style en fait, c'est sur le terrain. Bah c'est sur le terrain de Freeze, c'est le terrain, on va dire, enfin. C'est plutôt McTayer qui s'est adapté ouais. au style oui, oui, de c'est Freeze. Vrai. Et ouais, c'est peut-être un peu plus dur quand t'as pas fait tes gammes et t'as pas fait la majeure partie de ta carrière sur ce type d'instru. C'est tu sûr, vois. Parce que c'est de la drill en voilà. vrai. Mais finalement, il s'en sort quand même. Ah non, non, mais c'est très bien. Il est pas offbeat. Mais quand t'entends Freeze, oui. qui est un peu le master de ce délire-là, oh, putain, mais qu'est-ce que c'est bon de l'entendre. Mais franchement. Mais parce que le truc, c'est que je pense que. Qu'est-ce que ça glisse, quoi. Cette identité musicale que Flemme a développée sur les instrus, ça a été fait pour Freeze. C'est du sur-mesure. Bah oui, c'est du sur-mesure. Donc, oui, bah. Logiquement, à chaque fois, c'est lui qui posera le mieux. Mais ça veut pas dire que l'autre pose mal. Mais c'est fait pour lui. C'est clairement fait pour lui, tu vois. À la base. En vrai, plus le temps avance et plus je le vois comme le hors noir, en fait, de nos années, tu vois. Mm. Des années 2020, LMF. Je vois tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire. Un producteur, Flemme, évidemment il y a d'autres producteurs derrière, mais voilà, la tête d'affiche, mm-hmm. c'est Flemme, Freeze, et le son, tu l'entendras nulle part ailleurs que chez eux en fait. Ouais. Et jamais, peut-être autre part, mais jamais aussi bien. Mais jamais aussi bien, et que si tu l'entends, c'est parce qu'ils sont investis dans le ouais. morceau. Ouais. Et ça, à l'époque, t'es rapide pareil. Hein. C'est vraiment des producteurs qui ont fait du sur-mesure pour des artistes. Et on est là-dessus sur LMF, tu vois. On est là-dessus et il y a un chamboulement. Qu'on le veuille ou non, il y a eu un chamboulement quand LMF est sorti, tu vois. Ah oui. Et intro, tonitruante, Freeze-Raël, bison, tu vois. Ouais. Mmh. Oui, c'est... Non, mais je vois le parallèle. Après, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, oui, mais tu compares pas. Non, je compare pas. Tu fais juste un parallèle ouais, sur... Sur la le fait que ce soit ouais. de la musique sur mesure, le fait que bah, c'est 9-3 en vrai. Aussi, ouais, c'est vrai. Le fait que des producteurs ont pété grâce à cet album. Mm-hmm. Parce que après Or Noir, ça y est, on sait qui était à Rappi, tu vois. Et après les meufs, on sait. Même si Flemme bossait avant hein, sur Projet Bluebeam. Mais Flemme,
Bah, il a pris une épaisseur incroyable. Donc voilà, non, franchement, le son lourd, en plus, grosse référence à Tandem, du coup. Ce que j'aime bien chez Freeze, c'est que, bah, voilà, c'est quelqu'un qui est passionné de rap, qui s'est buté au rap français, et bah, il donne des petites références. Ouais, mais il donne toujours ses props, c'est lourd. À son feat, tu vois, c'est ça qui est chaud. Ouais. C'est qu'il y a un hommage, donc en même temps, il y a une transmission de culture, tu vois. Et je pense que Mac Taylor, ça va faire plaisir d'entendre des petites rêves, genre tu peux Vates. Non, c'est chaud. Franchement, et au début, c'est Mac Taylor qui dédicace le 667. Et à la fin, c'est Freeze Tandem. Du coup, bon, c'est. Ouais, c'est un échange de respect aussi, tu vois. Et une sorte de passation. Et c'est lourd, tu vois, ce genre de morceau ancienne école, nouvelle école. Et après, lyricalement aussi, il y a un moment, genre. Tu vois, quand il commence le deuxième couplet, genre, c'est trop chelou parce que, genre ça voyage dans le sens où, dans le refrain, il parle de, bon, du fait qu'ils ont vendu, etc. Après, quand il dit on n'a pas eu de Grammy, est-ce que tu penses que c'est dans le sens on n'a pas eu la reconnaissance médiatique Bien sûr. Enfin, tu vois, qui peuvent être les Energy Music Awards, oui, voilà. Victoire de la musique, ouais. Et du coup, et il dit, et on s'est fait, je sais plus, on s'est fait choper par la DGSE, et donc ça c'est les services extérieurs. Et quand il y a le deuxième couplet, la première moitié du deuxième couplet, genre ça te parle que de choses qui se passent en Afrique. Genre il parle, il dit que ouais, le retard de l'Afrique c'est que dans les médias. Parle de l'esclavage qu'il y a au Liban, ça parle de Thomas Sankara, etc. Et du coup, genre, j'ai bien aimé, enfin, j'ai trouvé c'était pas laissé au hasard. Ça parlait au début, enfin, premier couplet, bon, t'es dans le 9-3, etc. Et hop, deuxième couplet, avec la transition, avec le DGSE, hop, ça part en Afrique, quelques références, etc. J'ai trouvé que lyricalement, il y a eu quand même, il y a une idée, tu vois. Ils ont développé un message, en fait. Ouais, bah après, il y a toujours, de toute façon. Il y a toujours eu des messages. Hein. Comme on l'a dit, Freeze Corleone, on peut pas le mettre dans les rappeurs conscients. Non, en soi, on l'avait dit de Kalash Criminel. Et je trouve que c'est un peu pareil avec Freeze. C'est que c'est pas en soi un rappeur conscient qui va te faire des morceaux comme peuvent les faire Medine et tout. Mais il y a toujours un propos politique et engagé. Par punchline en fait. Et Freeze, je trouve qu'il fait un peu pareil que Kalash Criminel là-dessus. Et sur la fin, quand Freeze il fait l'outro et qu'il parle, bah ça fait penser au sacrifice de masse. Ouais, classique. Qui est lui qui a organisé la. Qui est JP Morgan. Qui est JP Morgan, etc. Donc c'est référence à ça. Enfin voilà, bah dites-nous ce que vous avez pensé de ce morceau Mac Taylor, Freeze Corleone, Grammy. Pour ceux qui ont écouté le projet donc de Mac Taylor, nous dire ce que vous avez pensé du projet dans les commentaires. De vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont Aminugo1 sur Twitter, Aminugo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.